Les médias sont déjà en train de faire du bruit autour de votre demande en mariage. Je veux dire, c'est tout ce dont les gens sont en train de parler en ce moment. Je ne comprends pas. C'était censé être un secret. Comment quelqu'un a pu le découvrir ? J'en ai aucune idée, bébé. Tu sais comment sont les gens avec la vie des célébrités. Un mépris total pour leur vie privée. Sur une note plus légère, j'ai une bonne nouvelle et une très bonne nouvelle. Laquelle voulez-vous en premier, les tourtereaux, hein ? Gardons le meilleur pour la fin. Commençons par les bonnes nouvelles. Ok. Donc la bonne nouvelle, c'est que Kimberly a maintenant des offres de mannequinat. Wow. On dirait bien que tout le monde veut s'arracher la future femme de Caleb Brooke. Et la très bonne nouvelle est... roulement de tambour. Le magazine People a offert 100 000 dollars pour acheter l'exclusivité de vos photos de mariage. Non, désolé, j'ai dit à Kimberly que nous voulions un mariage intime. Non, pas de liste d'invités, pas de médias. Qui vous a dit de faire des offres ? J'essayais juste d'être proactive. Mais ne vous inquiétez pas, je peux dire aux gens que vous avez refusé l'offre. Désolé, je reconnais pas ce numéro, mais il vient de ma ville natale, Flagstaff. Donnez-moi une seconde. Oui. Pas de médias ? Je vais le convaincre de dire oui. Je veux dire... je l'ai convaincu de m'offrir ce gros caillou et d'engager ma meilleure amie comme publiciste, n'est-ce pas ? Bien, parce que je touche 20% pour ce deal. Oui, et ne t'inquiète pas, je vais te donner ce qui te revient de droit. Dans ce cas, disons 200 000 dollars. Oh, ok. Mais sérieusement, quand est-ce que Caleb va sortir la prochaine chanson ? Parce que les gens commencent à l'appeler « le feu de paille ». J'y travaille, d'accord ? Crois-moi, je ne l'épouserais pas si je savais qu'il allait être un one-hit wonder. Il n'arrête pas de dire qu'il n'a pas été inspiré ces derniers temps. Oui, eh bien donne à cet homme un peu d'inspiration. Il y a beaucoup d'argent en jeu pour chacun de nous. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter mes condoléances pour le décès de votre père le mois dernier. Merci, mais... pour être honnête, on n'était pas vraiment si près du but. Perdre ma mère, c'était beaucoup plus difficile. En fait, je suis désolé, qui est-ce ? Je suis un avocat spécialisé dans les successions à Flagstaff. Votre père m'avait engagé. J'aimerais savoir ce que vous souhaiteriez faire avec la maison. Quelle maison ? Eh bien, la maison de votre père. Vous ne vous en souvenez plus. Tenez, je peux vous envoyer une photo. Donnez-moi une seconde. Voilà. Tu es tellement égoïste, quoi, je me demande même surtout comment... pas de me traiter d'égoïste quand c'est moi qui mets la nourriture sur la table. T'as toujours su comment ça se passait. Arrêtez de pleurer, j'ai payé pour ça. C'est moi qui paye pour ci, c'est moi qui paye pour ça, c'est moi qui paye cette eau. Va là-bas, toi. Quoi, retourne là-dedans et fais le dîner. Fais le dîner. Est-ce que tu te rends compte ? Les parents se disputent encore ? Les tiens aussi ? J'arrive pas à comprendre pourquoi on se marie. Moi non plus, je ne me marierai jamais. Faisons un marché, Laura. On se mariera jamais. Mais si on se marie, le seul moyen, c'est que ce soit l'un envers l'autre. D'accord ? Est-ce que tu me demandes en mariage, Caleb ? Tu ne peux pas me demander en mariage, idiot, car il te faut une bague. Ah, allons-y. Oui, désolé. Je vous écoute. Ah, très bien. Alors, que souhaiteriez-vous faire avec le bien ? Vous voulez le garder ou... le vendre. D'accord, je m'en occupe. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir le revoir une dernière fois ? Voilà, voilà, Charlie. Ton repas arrive. D'accord ? Oh, bah tu as faim. Tiens, tu peux prendre le mien. Tu veux le mien ? Et voilà. Super! Bon travail! Laura. Je sais, Monsieur Peterson, je travaille sur ça. Je travaille pour réunir l'argent, d'accord? J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Nous vous avons déjà donné 90 jours, c'est largement suffisant. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Cette maison est dans ma famille depuis des générations. La propriété sera mise aux enchères dans quelques jours.
C'est votre dernière chance de non, payer. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais qu'est-ce que je suis censée faire avec mon cheval si je perds ce lot? Ce n'est pas mon problème. Hé, hey, ça ne me dérange pas de travailler gratuitement. Non. Tu as aussi des factures à payer. Merci beaucoup, j'apprécie le geste. Ah, savais-tu que Caleb avait grandi dans cette même ville? Ici, regarde. Attends, vous deux, vous avez quasiment le même âge. Est-ce que tu l'as déjà croisé? Tu ne tiendras pas une seule semaine sans moi. Je préférerais encore être sans abri qu'être avec alors, toi. Alors va-t'en, une fois que t'as commencé, c'est fini, y a pas de retour possible. T'inquiète pas, il n'y en aura pas. Maman, est-ce qu'on peut s'arrêter? La bague est censée aller à la main gauche, tu sais. Je sais, mon pote. Tu détestes quand papa a une valise. Alors écoute, je te promets qu'on viendra très vite, Kimberly et moi. Et je t'apporterai des BONS. Est-ce que ça va pour toi? Ouais, ça va. D'accord. Sois sage, hein? Je sais, tu vas me manquer. Allez, bye. Ok, voilà pour toi. Est-ce que vous avez choisi le goût de votre gâteau de mariage? Framboise citron. Caleb adore tout ce qui contient des baies et certainement pas le chocolat. Chérie, pourquoi on a embauché une organisatrice de mariage? Rappelle-toi que je t'ai dit que je veux que ce soit intimiste. Rien de très grand, je pense pas qu'on ait besoin d'un planificateur. Allez bébé, on peut pas se marier sans wedding planner. Où est ta valise? Il faut qu'on y aille, on va être en retard pour le vol. Eh bien, j'allais y aller, mais j'ai été bookée pour un contrat de mannequinat de 2 jours. Donc, malheureusement, je dois rester ici, à Cali. Oh. Honnêtement, tu devrais aussi faire l'impasse sur ce voyage. Je vois pas pourquoi tu devrais y aller tout ce chemin juste pour vendre ta maison, je veux dire. Où est-ce que c'est déjà? Ma ville natale. Flagstaff. Arizona. Oh, c'est vrai. Le pays. J'ai regardé et il n'y a pas de Ritz-Carlton ou de Saint-Régis, donc même si je voulais y aller, il n'y a pas d'endroit où je puisse rester. Oh chérie, c'est juste une nuit. Bébé, c'est la maison de mon enfance. J'aimerais vraiment que tu la vois avant qu'elle ne disparaisse. Je veux dire, c'est un grand moment pour moi. D'accord? J'y suis pas allée depuis des années. Eh bien, c'est un grand moment pour moi aussi. Tu sais à quel point mes séances photos sont importantes pour moi. Je peux pas abandonner ma carrière et mes objectifs juste pour conduire sur des chemins de terre avec toi. Oh, tu pourras me faire un FaceTime quand tu seras là-bas. Ce sera à peu près la même chose que de le voir en personne. Eh bien, on se voit dans 24 heures. Tu vas me manquer. Je sais. Oh! Hé, mon pote! Hé, je sais, tu vas beaucoup me manquer aussi, d'accord? Et n'oublie pas de le nourrir pendant mon absence, d'accord? J'ai mis du brillant à lèvres. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. Amuse-toi bien, d'accord? Oh, où est-ce que...
Oust ! Oust ! Oh, tu vas mettre de la bave et de la fourrure partout. Dégoûtant. Par de là ! Oh, où en étions-nous ? Oh, vous êtes chanteur ? Oui. J'écris une chanson country d'amour et j'essaye d'enchaîner avec quelque chose tout aussi bon. Mais pour être honnête, j'ai pas beaucoup d'inspiration. En fait, ça vous dérange si je la partage avec vous rapidement ? Bien sûr. Ouais ? Oui. D'accord. Down the heartbreak highway, neon signs flicker. Memories linger in the rearview mirror. Broken love, like a worn out song. Down the heartbreak highway, driving along. C'est bien. C'est vrai? Oui. Pour être honnête, on dirait plus une chanson de chagrin d'amour qu'une chanson d'amour. Désolée. Je ne suis pas d'une grande aide. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ? De l'inspiration, ce serait bien. Oh. Est-ce que vous avez ça en stock ? Et sinon, qu'est-ce qui vous amène à Flagstaff ? J'ai grandi là-bas. Oh, c'est bien de faire un petit retour aux sources de temps en temps. Et ce que j'ai appris au cours de mes années d'hôtesse de l'air, c'est qu'en rentrant chez soi, parfois on retrouve son cœur. Qui sait ? Peut-être que cette fois-ci, vous allez retrouver le vôtre ? Je suis désolé, je viens de réaliser, j'ai mis la mauvaise adresse. Pas de soucis, je savais où aller. Mais comment vous avez... Tout le monde sait où Caleb Brooks a grandi, mec. Mec, t'es une légende vivante dans le coin avec cette chanson. Et je déteste demander, mais tu crois que je peux prendre une photo ? Ah, ouais, bien sûr. Ok, merci. Bonne journée. Tu sais, j'ai hâte d'entendre ta prochaine chanson. Je serai à l'affût de la sortie. Ok. Hé, l'étranger. Je t'ai apporté une tarte au chocolat. Laura ? Comment t'as su que j'étais à la maison ? Eh bien, j'habite toujours à côté et je t'ai vu arriver. Et en plus, c'est partout sur les médias sociaux que Caleb Brooks est de retour en ville. Quelqu'un a dû te repérer à l'aéroport. Bah, allez. Waouh, on dirait que tu as pas mal de fans aujourd'hui. Bon sang. C'était censé être un voyage discret. Je suis même pas sûr d'être à la hauteur d'interagir avec des fans en ce moment. Allez, viens. Je connais un endroit où nous pouvons aller. Ça va ? Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Désolé. Être ici, c'est juste que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais. T'as toujours la bague ? Après toutes ces années ? Oui. Je suis surprise que ça tienne encore. Et ton mari est d'accord avec ? Je n'ai pas encore eu le temps de me marier. Après le départ de mes parents pour la côte Est, je me suis concentrée sur l'école vétérinaire. En fait, pour devenir vétérinaire. Mais parfois, j'ai l'impression d'être mariée à Charlie. Est-ce que Charlie est ton petit ami ou... Charlie est mon cheval. Oh, ok. Alors c'est ton voisin. Oui. Désolé. Mais, et toi alors ? J'ai vu que tu allais te marier. Je suis heureuse pour toi. Comment vous vous êtes rencontrés ? En fait, c'était la chose la plus étrange. Elle est entrée dans ma loge après un spectacle. Hein ? Et je devrais probablement expliquer. Tu vois... Hey.
chocolat. Wow! Hey! Oh mon dieu, mais t'es tout mignon, toi! Comment t'es entré ici? Oh mon dieu, Bear! J'étais morte d'inquiétude. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Non, 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 tu déranges pas, j'adore les chiens. Il a dû le sentir parce qu'il est allé directement vers vous. Oh! Quel est votre nom? Mon... Caleb. Caleb. Merci encore. Et ravi de vous avoir rencontré. Ouais, moi aussi j'étais ravi de te rencontrer. Kimberly. Kimberly. Mm-hmm. Enchantée. Bonjour. Alors tu vois, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, 3 mois plus tard, nous sommes fiancés. Et le reste appartient à l'histoire, comme on dit. Donc tu es en train de me dire qu'elle est arrivée juste comme ça et elle est entrée dans ta loge? Et elle avait aucune idée de qui tu étais alors qu'elle était à ton concert? Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Waouh. J'avais presque oublié à quel point c'est beau ici. Je me lasserai jamais de cette vue. Tu devrais organiser ton mariage ici, si vous n'avez pas déjà un lieu de réception. Waouh, c'est... C'est en fait une excellente idée. Et je parie que Kimmy adorerait ça. Ouais, laisse-moi lui demander, je vais lui demander. Ouais. Hé hey, chérie, regarde avec qui je suis. Voici mon amie d'enfance, Laura. Bonjour. T'as déjà vendu la maison? Non, pas encore. En fait, je voulais te soumettre quelque chose. Et si on la gardait et qu'on se mariait ici? Absolument pas. J'ai déjà tout prévu à l'hôtel Beverly. Ce sera tellement iconique. Kimmy, c'est beaucoup trop grand. Je t'ai dit que je voulais un petit mariage. Je me disais 25 personnes maximum. Ok, mais il est trop tard pour annuler maintenant. J'ai dû les supplier de faire une exception pour avoir de la nourriture italienne et jouer du hip-hop à notre mariage. Et normalement, ils ne font pas ça. Ne t'inquiète pas, il y aura toujours environ 25 personnes, d'accord? Oh, mon amour, ma publiciste m'appelle, je dois y aller, mais on se voit bientôt, d'accord? Moi? Ok, je t'aime. Et n'oublie pas de nourrir le... chien. Je ne veux pas dépasser les bornes, mais tu ne devrais pas avoir la musique country et un barbecue à ton mariage? Je veux dire, au moins tu as toujours ton gâteau au chocolat. Je me souviens à quel point tu étais obsédée par le chocolat et tu détestais toutes les baies. Je veux dire, à moins que tu n'aies pas grandi avec ça. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que tu te souviennes de ça. C'est comme si tu me connaissais mieux que la fille que je vais... Qu'est-ce que tu fais? Juste une seconde. She knows me like no other. Like a pickup on a dirt road. In your eyes I see the sunrise. In her smile, the sunset glow. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu as le début de ton deuxième hit. Ouais! Ouais! Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de finir le reste de la chanson. Eh bien, heureusement que j'ai 24 heures devant moi. Find you with the wind blowing through your
Alors, avez-vous pu trouver l'inspiration que vous recherchiez? Chérie? Je suis rentré. Oh, 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 hey, mon pote! Oh, mon pote, tu m'as manqué. Oh oui, hey, je t'ai apporté quelque chose. C'est quoi ça? Tu le veux? Ouais, tu le veux? Oui, oui, ouais, tu le mérites. Oh, doucement, mon pote. On dirait que t'as pas mangé depuis que je suis parti. Hé, hey Kim. Je suis de retour de l'aéroport, nous. Kimberly? Alors, qui sont ces gens? Laura, un timing parfait. J'ai quelques investisseurs intéressés pour acheter votre propriété. C'est un domaine très charmant. Vous avez une idée de la superficie? Nous cherchons à peu près 3 acres, et comme c'est juste à côté de la maison d'enfance de Caleb Brooks, c'est une excellente opportunité d'investissement. Je pourrais d'abord vous faire visiter et on parlerait chiffres après. Allons-y. Est-ce que tu essaies de m'étouffer avec ça? Et où est mon champagne que j'ai demandé il y a 3 minutes? Kimberly, il faut que je te parle, c'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'un oui ou d'un non pour le magazine People. Ils sont prêts à payer 200 000, mais nous devons signer aujourd'hui. J'y travaille, d'accord? Tu vois pas que je suis occupée en ce moment? Embête-moi plus tard. Excuse-moi. Je te rappelle que tu n'étais personne avant de rencontrer Caleb Brooks. Et tu es... toujours personne. Tu es ma publiciste, tu te souviens? Tu travailles pour moi maintenant. Ah, vraiment? Tu te souviens comment tu m'as supplié pour te faire rencontrer Caleb? C'est la seule raison pour laquelle je t'ai donné un pass VIP. Je t'ai laissé emprunter mon chien pour pouvoir aller dans sa loge et faire comme si tout ça n'était qu'un ex. Caleb... C'était un coup monté? Attends, alors, quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était quoi? C'était du pipeau? Non, elle est juste en colère à propos de... Tu m'as dit que Bear était mort. Pourquoi tu mentirais à ce sujet? Et c'était même pas ton chien. Bear était mon chien. Et il est mort. Je viens de sortir votre chien pour aller aux toilettes. J'arrive pas à y croire. C'est fini. Et pour ta gouverne,
J'aime le chocolat. J'adore le chocolat. Et je déteste les baies. Attends. Est-ce que ça veut dire que je dois dire non au magazine People? Ah! Ah! Allô? Bonjour, Caleb. Maintenant que vous avez décidé de garder la maison, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous faire savoir que la propriété d'à côté est à vendre. Elle est saisie, si cela vous intéresse. La maison de Laura est à vendre? Ça y est, la maison a été vendue. Félicitations. Attendez, pourquoi vous me donnez les clés? Parce que le nouvel acheteur l'a mise à ton nom. She knows me like no other. Like a pickup on a dirt road. In her eyes I see the sunrise. In her smile the sunset glow. She knows me like no other. Like a dog that loves its bone. I finally found my heart again. I just had to come back home. Laura, depuis un bon moment déjà, je suis perdu. Et je savais pas quoi faire. J'arrivais pas à comprendre ce qui me manquait. Mais ensuite, ça m'est revenu. Et être de nouveau avec toi... J'ai l'impression d'avoir retrouvé mon cœur. Parce que mon cœur est... C'est toi. Laura, Alicia, Avila, veux-tu m'épouser? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Désolée, ça me rappelle des souvenirs. Bien sûr que je veux t'épouser, Caleb. J'ai le bon doigt cette fois-ci. Oui.